J'ai pas envie d'aller me coucher. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Si vous vouliez qu'elle aille dans une école spéciale où elle resterait toute la journée et toute la semaine. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Cette vidéo est un sketch, c'est pour rire, alors ne t'inquiète pas. Bon visionnage. Je croyais que ma mère n'était pas capable de faire ça. Et pourtant, elle l'a fait. Elle a décidé de prendre ma sœur pour l'emmener dans un endroit totalement inconnu. Je sais qu'on fait beaucoup de bêtises, mais de là à vouloir se débarrasser de nous, c'est incroyable. Je vais tout faire pour la récupérer. Et ça, vous pouvez me croire. C'est bon, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher pour Lily Rose. Je vais bientôt pouvoir mettre mon plan en exécution. Lily Rose, c'est bientôt l'heure d'aller te coucher. J'arrive dans 5 minutes, j'éteins la lumière. Oui, je sais. J'ai pas envie d'aller me coucher. Il est que 21h en plus et je suis même pas fatiguée. Je m'en fiche, je vais jouer sur mon téléphone. Comme ça, je vais pas dormir et je serai tranquillos. C'est bon. Le plan est ok pour Lily Rose. Plus que quelques heures et je suis tranquille. Ah, mais qu'est-ce qui m'embête? Déjà 22h et c'est pas possible. Je me suis endormi depuis quelle heure? Bon, peu importe. Qu'est-ce qui m'envoie un message à cette heure-là? Mama Pink, c'est bon? Le plan est prêt. Mais de quel plan elle parle? Je suis sûre qu'elle est en train de jouer. Je vois de la lumière. Je vais éteindre la wifi. Oh non, internet a été coupé. C'est quoi ça? Ils savent que je suis sur mon téléphone? Un plan avec Lily Rose? Oh non, c'est vrai. Je l'avais déjà espionné. Elle avait parlé d'abandonner Lily Rose quelque part au hasard. J'espère que c'est pas ce plan là dont elle parle. Elle a dû se tromper de personne. Elle voulait pas envoyer ça à moi. Mais à qui elle voulait l'envoyer? Peut-être à Peppa Pink. Ça tombe, elle a un plan avec Peppa Pink pour abandonner Lily Rose. Et je suis peut-être le prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Mince. Il faut que je trouve une solution. Il faut que j'aille chercher Lily Rose avant qu'elle se débarrasse. Là, je sais pas comment elle va faire. Bon, bah, j'ai plus qu'à dormir, toute façon. Bon, je vais voir si elle dort. Elle dort. C'est bon, je vais pouvoir l'emmener quelque part. Allez, viens par là. Je vais t'emmener quelque part. Oh, c'est pas facile, c'est pas facile. Allez, vite. Faut que je prenne des affaires. Le téléphone et tout de Lily Rose. Mince, faut que j'appelle Lily Rose peut-être. Allô? Oh punaise, son téléphone n'a pas internet à tous les coups. Elle est totalement déconnectée. Il faut que je prenne un truc. Mince, bon tant pis, j'y vais comme ça. Je vais aller chercher Lily Rose et peu importe où elle est, je la retrouverai. Avant qu'elle soit abandonnée toute seule. Allez. Eh oh. Eh oh, t'es là? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oh punaise, non mais je suis désespéré là, j'arrête pas de l'appeler et je la vois pas. Elle est pas devant son école en plus. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une petite forêt pas loin d'ici. Ça tombe, ils ont voulu l'abandonner ici. Mais bon, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller. La nuit va pas tarder à tomber totalement. Bon allez, je vais prendre le risque, c'est pour Lily Rose. Je vais mettre un peu des photos d'elle un peu partout dans la ville et... j'espère que j'aurai des nouvelles. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, Lily Rose est amenée par Mama Pink dans un endroit totalement inconnu. Mais où elle va l'amener? Lily Rose, t'es là? Oh, il commence à faire nuit là, c'est pas une blague. Si t'es là, dis-le-moi. Je suis bon pour aller dans la forêt. A few moments later. Je suis où? Je suis où là? Quoi? Je suis à la plage? Mais c'est quoi ça? Punaise, ils m'ont laissé tout seul à la plage. J'en ai marre. Comment j'y suis arrivée ici en plus? A few moments later. Bon allez, là je cherche. Je suis en train de rentrer dans la forêt. J'espère que j'ai pas croisé des loups. Enfin, je pense pas qu'il y ait des loups ici, mais voilà. Eh oh! Vous avez vu cette petite fille? Vous l'avez vue? Y'a personne ici. Même pas de loup-garou. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Bon. J'ai peut-être pas rentré dans la forêt juste derrière, parce que si j'y rentre et qu'il y a des gens méchants, et bah c'est pas très gentil d'être méchant, donc j'ai pas envie. Je pense que je vais retourner vers là-bas. S'ils l'ont déposé pour l'abandonner, ils l'ont certainement mis à côté des jeux, ou derrière une petite montagne, j'en sais rien. Allez, j'y vais. Avec un peu de chance, je la croiserai. T'en penses quoi? T'en penses quoi, toi? Bon,
Je vais appeler Massilia et papa, je vais appeler, je vais appeler quelqu'un pour savoir s'ils ont des nouvelles de Lily Rose. Parce que tiens, je vais appeler notre demi-sœur. Ça tombe, elle est au courant d'une histoire. Parce qu'elle, elle est toujours dans les combines un peu bizarres. Ah, allô Clara? T'es au courant de quelque chose ou pas là, qui se passe avec Lily Rose? Allô? Allô? Elle répond jamais, elle fait une voix bizarre à chaque fois. Allô? Ça va toi, la famille, tout le monde se porte bien? Depuis la dernière fois, hein? Ouais, parce que la dernière fois, vous étiez un peu malade, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu parles à un arbre qui est mort en plus? C'est n'importe quoi. Bon, allez, rentre à la maison, on a des choses à s'expliquer. Plutôt à expliquer. À s'expliquer entre nous, voilà. Parce que c'est bizarre que tu traînes dans cette forêt. Ça te dit rien, ça? Hein? Et Lily Rose, la disparition inquiétante, elle répond pas au téléphone? Enfin, après, demain, il y a école, donc c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être plus internet. Mais même, c'est trop bizarre. Hein? Allez, on rentre tous les deux. Je te vois, hein. Et fais pas celui qui a peur, hein, parce que moi j'ai pas peur de toi. Ouais, mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais ça va pas, Esteban? Je comprends pas ce que tu viens de me dire là. Allez, Don Bicha, il a n'aie pas peur, rentre. Ah, c'est sûr qu'il a magouillé, il a fait des trucs bizarres là. Je vais plus voir Lily Rose. Comment je vais faire? Allez, viens. C'est pas possible. Où ils ont pu la cacher? Je sais pas de quoi tu parles, Esteban. Vas-y, explique-toi. Moi, je sais rien du tout. J'en sais rien. Je sais pas, Esteban. Bon, alors c'est Mama Pink qui a fait quelque chose d'étrange avec Lily Rose. Elle s'en est débarrassée, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas qui va l'aider. Parce que le message, il est tombé dans mon truc, là, sur mon téléphone. Donc c'est vraiment très bizarre. D'ailleurs, je peux te le montrer. Mon téléphone? Attends. C'est toi qui as pris mon téléphone, là? Non, pas du tout, mais de quoi tu parles avec Lily Rose, Esteban? Vas-y, explique-moi vite, là, je suis inquiet. Allez. Bon, pas grave pour le téléphone. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà entendu la demi-sœur, Mama Pink, et peut-être aussi toi, que vous vouliez vous débarrasser de Lily Rose parce qu'elle fait trop de bêtises et vous vouliez qu'elle aille, je sais pas où, dans une école spéciale où elle resterait toute la journée et toute la semaine. Elle reviendrait que le week-end, un internat ou un truc comme ça. Donc, ça tombe, elle y est. Et je sais pas où c'est. Et moi, je veux pas que ça soit le cas. Ah bon? Mais écoute, moi, je suis pas du tout dans ce plan-là, là. Écoute, peut-être avec Mama Pink, mais ils sont peut-être partis en voyage quelque part. Je sais pas, moi, dans une forêt, à la plage. Non, tu crois pas? Parce que elle donnerait quand même de ses nouvelles, Lily Rose. J'ai reçu un SMS en me disant que c'est bon, on peut mettre le plan à exécution, que Lily Rose va disparaître, je sais pas quoi. À mon avis, elle veut faire quelque chose. Elle veut pas nous le dire et elle ne te l'a pas dit. Écoute, je sais que Mama Pink en avait parlé d'ailleurs. Écoute, on va y aller. On perd pas de temps, on y va tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Clique sur une vidéo qui apparaît là. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Bye bye. Bye bye.